Bon, on va y aller pour cette session du World Forum. Génération XY, des projets créateurs de liens dans l'entreprise. Tout un programme. Alors, moi, je m'appelle Jean-Pierre Nacri, je suis le délégué de Réseau Alliance. En gros, ça veut dire que je fais tout, je remplace comme ça au pied levé. Je sais faire de la logistique et puis je vais essayer de faire un peu le lien entre ces brillants intervenants. Un grand merci à l'IPA, déjà pour commencer. Et je veux dire beaucoup de merci parce que le travail que nous faisons, c'est un vrai travail de communauté et je n'insisterai jamais assez sur l'engagement des uns et des autres, que ce soit sur leur temps de travail ou voire en dehors de leur temps de travail. Et pour nous, c'est extrêmement stimulant, si vous voulez, de travailler dans ces conditions-là. Donc, grand merci à l'IPA qui, j'allais dire, collabore. Ali, oui, alors. Sachez que moi j'ai fait l'IPA quand même, hein. Et ça s'appelait l'IPA, hein. Toi aussi. Bon. Parce que vraiment, il y a une collaboration avec Réseau Alliance, si vous voulez, qui est assez magnifique et qui nous booste, quelquefois nous permet de nous cadrer, mais aussi c'est extrêmement complémentaire. Grand merci pour leur accueil, grand merci à leurs équipes, hein, parce que comment dire, on les voit pas beaucoup, mais sachez que comment dire, ils nous soutiennent de façon assez extraordinaire. Et puis en préalable un petit peu comment dire, à ce thème qui va être traité ici aujourd'hui et qui est parfaitement en lien avec le World Forum, hein, le parti pris du World Forum. Et je voudrais simplement rappeler toute la priorité, hein, que nous donnons, si vous voulez, à l'ensemble de la génération Y, aux jeunes. C'est pas pour faire bien, c'est pas pour être à la mode, surtout pas, parce que ce sont les acteurs de demain, c'est déjà les acteurs d'aujourd'hui. C'est essentiel, si vous voulez, comment dire, que cette démarche, comment dire, que cet état d'esprit s'installe. Donc, le World Forum, il est vraiment aussi réalisé pour les jeunes. Je vous renverrai simplement à l'opération qu'on avait menée l'an dernier sur un thème qui s'appelait, je ne sais pas si vous vous souvenez, un No Limit for a Young World. On avait réuni, je ne sais plus, à peu près 1 200 personnes dans la grande salle de l'auditorium sur une idée un peu folle. Imaginez le monde dans 20 ans, dans 30 ans. Il y avait une ambiance assez extraordinaire. Bon, on ne l'a pas reproduit cette année, mais sachez que on a de la suite dans les idées et ça reviendra. Alors bien sûr, il y a les jeunes dans l'entreprise, c'est un peu ce qu'on va traiter aujourd'hui, mais il y a aussi ceux qui n'y sont pas. Je voudrais un petit peu insister là-dessus, avec cette plaie très franco-française qui est le chômage des jeunes. À Réseau Alliance, on est fortement préoccupé par ça. Et puis chômage, mais qui veut dire quelquefois aussi des situations d'exclusion, hein, qui accompagnent. Donc c'est aussi pour cela, si vous voulez, que Réseau Alliance mobilise son énergie. Avec toute son équipe, bien sûr, mais avec toute une équipe de bénévoles aussi, et on les remerciera tout à l'heure, qui nous accompagnent dans cet engagement. C'est pas un travail, c'est un engagement. Et donc, on agit, bien sûr, avec nos moyens sur un certain nombre d'actions. J'y reviendrai très vite. Et nous allons donc consacrer cet après-midi à des témoignages qui vont permettre d'alterner entre les enjeux de la cohabitation des générations dans l'entreprise. Et ceux des actions menées pour y faire entrer les jeunes et qui n'y sont pas encore. Donc, nous allons entendre cet après-midi eh bien, les personnes qui sont là debout, qui viennent d'arriver. Donc, je vais citer, bon, parce qu'elle fera en gros la conclusion, elle traitera vraiment du sujet de l'après-midi, c'est Marie-Ève Delécluze. Vous pouvez l'applaudir, hein. Et Marie-Ève? Eh bien, faut prendre place, faut prendre place. Donc Marie-Ève est gérante, je pense que vous êtes gérante, c'est ça, hein, de la société Génération Conseil et spécialiste en transmission et formalisation des compétences. Ça, c'est déjà un sujet quand même assez pointu quand même. Et puis, qui traitera du sujet d'accroche de la session de cet après-midi. Olivier, qui vient d'arriver, Olivier Asselin, président d'Agir. Et Christine Jubin, ici à ma gauche, qui est déléguée de la Fondation Agir. Bravo! Donc Renaud Dupont, qui nous vient du littoral. Ben, Renaud Dupont, il s'installe. Bon, et puis on va faire un binôme terrible cet après-midi, ça va être Dupont et Dupont. Amélie Dupont. Alors, il manque une chaise, donc je vais donner ma chaise. Non, 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 non.
Je croyais qu'Amélie, vous mettiez, on avait dit que vous mettiez dans la salle. Bon, c'est ce qu'on m'a dit comme directive. Mais bon. Monsieur Witzel. Donc je vais quand même reprendre votre nom, monsieur. Monsieur Daniel Witkowski, pardon, directeur de l'animation culturelle à la Caisse d'épargne Nord-Europe. Des personnes qu'il faut applaudir, hein, notamment le monde de la banque et la Caisse d'épargne en particulier, qui a créé, comment dire, qui a une fondation et qui, par sa fondation, si vous voulez, s'engage beaucoup vis-à-vis des jeunes. Donc voilà pour cette première introduction. Alors, habituellement, je parle sans papier, mais on m'a dit qu'il fallait tenir le timing, donc si vous le voulez bien. On va y aller, donc, le deuxième slide. Simplement pour vous parler un petit peu de Réseau Alliance, je vais le faire vite parce que je préfère qu'on laisse la place, si vous voulez, un peu au dialogue. Bon, et vous rappeler simplement, si vous voulez, que Réseau Alliance, qui est en gros l'association d'entreprises qui s'est engagée dans la démarche RSE, hein, responsabilité sociale environnementale des entreprises, depuis plus de 20 ans maintenant, mène, si vous voulez, parallèlement, mais conjointement à ça, si vous voulez, une action, si vous voulez, vers un certain nombre de publics, vers le public des jeunes. Et puis c'est un homme, je ne sais pas s'il est dans la salle aujourd'hui, c'est Bruno Lidbert qui, il y a plus de 20 ans, plus de 25 ans, qui a, comment dire, lancé les actions de soutien, si vous voulez, au Réseau Alliance. De soutien à jeunes, pardon, par le Réseau Alliance. Simplement, on ne fait pas que ça. Vous avez ici un petit peu un résumé du travail qu'on fait au quotidien dans les entreprises. Réseau Alliance est une association d'entreprises. Je le répète, s'il n'y avait pas les entreprises, on n'existerait pas. Et notre objet à nous, eh bien, c'est d'aller, engager les démarches RSE dans les entreprises. Hein, au travers de toute une série d'actions, bien sûr de sensibilisation, mais de plus en plus de passage à l'acte, avec des applications extrêmement concrètes, si vous voulez, qui peuvent être très pratico-pratiques, hein, le bilan thermique, l'efficacité énergétique, mais ça peut être la mobilité, ça peut être de plus en plus un certain nombre d'actions que l'on mène dans le social business, via l'entrepreneuriat. Et puis, quelquefois, on va même plus loin, si vous voulez, sur des sujets encore plus innovant, voire d'innovation de rupture, comme l'économie de la fonctionnalité, pour ceux qui connaissent un peu, et qui est vraiment de vrais changements de modèle, hein, de modèle d'entreprise, et l'économie de la fonctionnalité, où on a consacré quasiment une journée hier à l'EDEC. Donc, dans un premier temps, si vous voulez, on a mené un certain nombre d'actions vers les jeunes, mais très vite, on a été identifié ça prend beaucoup de notre temps, si vous voulez, c'est qu'on a mis en place les groupes de dynamique d'embauche. Pour vous faire court un petit peu aujourd'hui, groupe dynamique d'embauche, je pense qu'on est à peu près à une trentaine de GDE, beaucoup sur la région lilloise. Je rappelle que les groupes de dynamique d'embauche, si vous voulez, c'est principalement, avec le concours des entreprises, mais aussi avec l'appui, si vous voulez, d'un certain nombre de bénévoles que je citais tout à l'heure, parce que dans cette petite technique d'accompagnement, si vous voulez, le dialogue est essentiel, l'accompagnement du jeune est essentiel, et sur ce point, les bénévoles, si vous voulez, sont d'un appui très riche. Et l'objectif, bien sûr, c'est construire le projet de vie, le projet professionnel, plus être, si vous voulez, dans une démarche de savoir-être que de savoir-faire. On donne les moyens aux jeunes, si vous voulez, de chercher lui-même, se présenter, mettre en valeur ses qualités pour qu'il soit dans dans les meilleures conditions pour être recruté. Je vous disais qu'on est assez concentré sur la région lilloise, mais de plus en plus, on cherche, si vous voulez, à aller planter un petit peu nos actions sur l'ensemble du territoire. J'en parle, c'est pas anecdotique, parce que le GDE, c'est vraiment, pour moi, ça repose sur une démarche volontaire de beaucoup d'acteurs. Pour employer un mot un petit peu à la mode, il faut savoir créer l'écosystème des GDE. C'est bien sûr toujours le jeune qui est là, il faut qu'il soit convaincu de venir. Mais c'est aussi l'entreprise, parce que c'est elle qui va être un peu le référent, qui va organiser les rencontres et qui va apporter cette touche
très professionnel, si vous voulez, à la démarche d'embauche. Et puis, bien sûr, le bénévole que j'évoquais et les équipes de Réseau Alliance qui assurent ce suivi. En termes de résultats, si vous voulez, un petit peu sur les GDE, eh bien, globalement, c'est près de... Bien sûr, ça n'est pas mis dans le transparent, mais c'est en gros l'équivalent de 200 jeunes par an qui sont accompagnés. C'est une technique lourde, hein, c'est sur 9 mois, qu'on fait évoluer. Hein, c'est le jeune qui est en recherche d'emploi. Mais de plus en plus, on s'inscrit aussi on fait aussi de l'innovation. Il y a ce qu'on appelle aujourd'hui le GDEE, le GDE étudiant. C'est-à-dire que dans la dernière année, si vous voulez, d'études d'un étudiant, eh bien, on va lui faire suivre le même cursus, hein, GDE, si vous voulez, pour qu'on puisse combiner à la fois eh bien, la fin d'études, souvent sanctionnée par des, hein, des mémoires et autres, et puis, bien sûr, la démarche GDE. Donc, depuis 2013, on est sur le Pas-de-Calais, j'insiste beaucoup là-dessus. Notre difficulté, quand on va sur d'autres territoires, c'est d'être capable de recréer des écosystèmes qui n'ont rien à voir avec ceux que nous avons sur notre région. Vous allez sur le littoral, vous avez une sociologie, vous avez une population de jeunes avec des niveaux de diplôme totalement différents, des entreprises, si vous voulez, qui comment dire, réagissent aussi différemment. Et on ne peut être qu'être content, si vous voulez, quand on réussit à créer cette forme d'engagement. Et donc, pour conclure un petit peu sur ce chapitre, hein, de la démarche GDE, si vous voulez, à Réseau Alliance, on ne fait pas que ça. Hein. Je vous renvoie vers le stage, comment dire, le forum des stages, où on accueille pendant toute une journée plus de 1000 jeunes étudiants. Et puis, on mène un certain nombre d'actions collectives avec des tas de partenaires. Si vous voulez, le GDE, bien sûr, structure beaucoup de notre action, mais on est, comment dire, impliqué dans beaucoup d'autres actions. On le verra par après, mais pour un petit peu en guise de conclusion de cette première introduction, moi, je voudrais faire témoigner à la fois une entreprise et puis une stagiaire GDE, je ne sais pas si on dit un petit peu comme ça. Donc, je vais demander au binôme, au duo, Dupont-Dupont, évidemment, de nous témoigner de leur expérience. Vous allez voir que c'est très intéressant. Et puis encore merci à Eurotunnel, parce que M. Dupont est responsable des ressources humaines à Eurotunnel, et bien de s'engager dans cette voie et puis d'être un petit peu notre porte-drapeau sur le littoral. M. Dupont, je passe la parole. Vous avez un micro là. Bonjour à tous. Oui, je témoigne sur le GDE. Alors, on précise quand même qu'on n'a pas de lien de parenté avec Amélie. C'est juste que le hasard des noms de famille, quand on s'appelle Dupont, on tombe parfois sur le même nom dans nos expériences. Donc je me présente, Renaud Dupont, je suis responsable ressources humaines de l'exploitation d'Eurotunnel. Eurotunnel, comme vous le savez, est le premier employeur du Calaisis, avec 1500 personnes en France, et le premier employeur du Kent, avec 900 personnes en Angleterre également, sur la partie concession. On est ancré localement et on essaye d'apporter du soutien auprès des universités, auprès des étudiants que l'on prend en stage, pour des stages de 6 mois. On a beaucoup d'alternants, puisque l'année dernière, en fin 2015, on avait 141 personnes en alternance chez nous, quel que soit le métier, que les métiers de maintenance, les métiers de tourisme, puisque nous accueillons aussi des clients, et les métiers du siège. Ça fait maintenant 4 ans qu'on suit cette action GDE pour deux raisons essentielles. Effectivement, l'ancrage local et donc faire partager notre expérience de 24 ans d'existence sur le littoral auprès d'étudiants, mais aussi en interne pour faire partager à nos cadres des accompagnements, les mettre sur le devant de la scène et les valoriser d'une façon différente qu'on pourrait avoir comme l'aspect financier ou comme des affiches assez nombreuses. Et ça leur permet effectivement de prendre du recul sur leur activité, prendre du recul et accompagner les étudiants tout au long d'un parcours, tout au long du parcours GDE, et notamment les différents repas que nous organisons au sein de l'entreprise. Pour le GDE, là, c'était effectivement un test, c'était un GDE test, un GDE étudiant. On nous a demandé pour une fois de changer un peu de format, plutôt que ce soit des demandeurs d'emploi, ce soit des étudiants demandeurs de stage, de fin d'études. Et donc, nous avons accueilli ces étudiants chez nous,
afin qu'il trouve un stage dans différentes promotions. Alors il y avait trois personnes qui étaient à l'université du littoral en droit. Il y avait une personne qui était à l'université du littoral également dans une filière QHSE, si je dirais, c'est sécurité environnement. Et puis d'autres candidats aussi. Et associé à ça, nous avons donc une personne qui systématiquement accompagne le groupe d'une façon générale pour animer avec Axel Dobodus qui est notre relais sur le littoral. Donc moi j'ai eu la chance, parce que j'ai eu la chance de participer cette année avec Amélie. La chance de pouvoir être formé par Alliance également avant avec les bons conseils, les bons signes. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a dans l'accompagnement, un peu de coaching des jeunes, il y a un certain nombre d'éléments positifs à prendre en compte et des éléments sur lesquels il faut faire attention, notamment la projection qu'on pourrait avoir vis-à-vis de notre parcours étudiant nous-mêmes. C'est-à-dire qu'il ne faut pas se mettre à la place de l'étudiant, mais vraiment le faire participer comme étant lui l'acteur et nous plutôt à l'écoute et en aide auprès de cette personne. On s'est vu donc 6 fois. Ah bon ? Bon, voilà. Un peu plus que 6 fois. Et après, avec un parcours prédéterminé. Un parcours prédéterminé et très méthodologique. Moi, ce que j'ai bien aimé dans tous ces accompagnements-là, c'est effectivement la méthodologie. Alors c'est peut-être mon parcours de RH qui fait ça, mais c'est peut-être aussi parce que je suis très méthodologique, peut-être, j'en sais rien, mais en tout cas ce que j'ai bien aimé c'est d'aller pas à pas. J'imagine comme tout le monde que les jeunes étudiants ne savent pas forcément leur projet professionnel. Quand on cherche un emploi, on a besoin de confiance et toutes ces étapes de méthodologie permettent ces éléments-là de mieux se connaître, déjà, c'est important. Et effectivement de prendre confiance en soi pour, face à un interlocuteur que je suis maintenant en tant qu'RH, être à l'aise et pouvoir donner le meilleur de soi-même. Donc les premières étapes, c'était effectivement un peu plus intime, puisqu'on va quand même dans le qui suis-je en termes de compétences, et vous l'avez dit, en termes de savoir-être, on va chercher vraiment le savoir-être, qui suis-je, qu'est-ce que j'ai envie de faire pour la suite de mon parcours. Et toutes ces étapes-là, ça permet effectivement, et ça a permis de façon méthodologique, en tout cas pour moi, de prendre un peu de recul par rapport à Amélie, par rapport à ce qu'elle souhaitait, essayer de l'aider à réfléchir, à sourire aussi, peut-être, sur des sujets en fait qui sont pas de l'intime justement, mais qui sont importants pour un RH que je suis. C'est quelles sont tes compétences ? Quelles sont tes compétences en termes de savoir-être ? C'est important, c'est fondamental. En termes de savoir-faire, c'est important, c'est fondamental. Et en termes de savoir. Aujourd'hui, quand on embauche des juristes, on reçoit peut-être 250 CV. Qu'est-ce qui fera la différence ? C'est la manière dont on a de poser les mots sur un papier, la manière d'écrire une lettre de motivation et la manière de se défendre sur ces outils-là. Et quand on reçoit après une personne en entretien, qu'est-ce qui va faire la différence ? En tout cas pour moi, c'est pas forcément ce qu'elle va me dire. Alors j'ai fait l'étude, première année, deuxième année, troisième année, ça c'est des critères importants. Mais c'est pour ça que les gens sont en face de nous, on les a sélectionnés par leur parcours. Mais c'est surtout comment elle va se défendre sur comment moi, intrinsèquement, je peux apporter à Eurotunnel ou je peux apporter à l'entreprise dans laquelle je postule. Et aussi, de plus en plus, sur ce que je suis, sur ce que j'ai envie de donner, et sur les valeurs que l'on peut défendre, évidemment. Et ça, je pense qu'effectivement, le GDE, ça a permis à nous, d'aller chercher ces éléments-là et ces éléments différenciants pour qu'Amélie aussi puisse trouver facilement ce stage et puisse se développer dans son parcours d'étudiante. Voilà pour le témoignage dans un premier temps. J'ai laissé la parole à Amélie. C'est aussi important que ce soit elle qui dise ce qu'elle en a ressorti, ce qu'elle a pu vivre. Voilà. Bien sûr, Amélie, oui. Alors bonjour à tous. Donc, je m'appelle Amélie Dupont, donc j'ai 23 ans et j'ai terminé mon cursus universitaire le mois dernier, donc en droit. Je suis donc aujourd'hui à la recherche d'un emploi.
Mais l'an dernier, j'ai fait le choix d'intégrer un GDE étudiant, donc en parallèle de mes études, afin de peaufiner et surtout de faciliter la recherche d'emploi à la fin du diplôme, enfin une fois le diplôme obtenu. Donc effectivement, le GDE se fait par étapes. C'est un vrai questionnement sur soi-même, sur sa personnalité. On a vraiment une personnalité propre à chacun, des expériences, des compétences. Mais là, par étapes, on se questionne soi-même. Je veux dire, nous savons tous qui nous sommes, mais si on vous demande de parler de vous en 3 minutes, on ne sait pas toujours très bien s'exprimer tout de suite. Donc c'est un vrai questionnement, donc par étapes, le qui je suis, ce que je sais faire, ce que j'ai fait, et enfin ça aboutit à son projet professionnel. Ce que j'en retire du GDE, donc c'est vraiment cet accompagnement, ce partage que j'ai pu avoir avec Renaud Dupont, ainsi qu'avec les autres étudiants qui étaient dans le même cas que moi, et leurs propres tuteurs. Renaud m'a fait passer des simulations d'entretien, par exemple, donc dans le cadre du GDE, il m'a accompagnée vraiment du début à la fin. Je devais trouver un stage dans le cadre de ma dernière année d'études, et j'ai vraiment eu du mal, mes démarches n'ont absolument pas abouti. Et c'est grâce au réseau Alliance et donc au GDE que j'ai pu obtenir un stage donc à la Caisse d'épargne France Europe au département juridique, donc où j'ai passé 5 mois. Donc aujourd'hui, le diplôme est validé, je suis à la recherche d'emploi et la deuxième phase du GDE va pouvoir commencer, c'est-à-dire la mise en réseau et donc pouvoir accompagner, donc relecture du CV pour vraiment être sûr, les lettres de motivation et donc la mise en contact avec des professionnels. Merci. J'en profite peut-être pour que les personnes qui sont debout eh bien, s'installent, plutôt que de rester... Voilà. Allez, un petit mouvement. Voilà. J'ai dit un petit mouvement. Un petit mouvement. Bien, comme on est aussi dans l'interactivité, est-ce qu'il y a déjà des premières réactions dans la salle à ces deux témoignages? Est-ce que, pour les jeunes qui sont dans la salle, est-ce que ça vous dit? Est-ce que on a été clair? Je vous rappelle que cette démarche, qui dure quand même sur un temps assez long, avec tout un accompagnement de plusieurs personnes d'une entreprise, donc... je veux dire, un peu de compétences multiples. C'est gratuit, bien entendu. Hein, c'est gratuit. Et peut-être qu'il peut y avoir des questions par rapport à cela. Peut-être qu'il y a, pourquoi pas, des candidats. D'ailleurs, on va mettre tout de suite l'adresse de Céline et de son équipe. Alors, un petit mot aussi sur Céline, que vous connaissez. Il lui est arrivé un truc pas marrant, c'est qu'elle a voulu renverser une voiture. Hein. Et... Non, c'est, je plaisante, mais bon, c'est un peu grave quand même. Et donc, elle est à out pendant une quinzaine de jours. Et bien entendu, elle vous souhaite à tous le bonjour et elle regrette de ne pas être ici. Donc, est-ce qu'il y a une première réaction? Sinon, non? Oui? Non? Oui? Moi, j'avais une question à poser à Monsieur Dupont, peut-être. Hein, c'est que ce genre d'action, comment c'est partagé dans le groupe Eurotunnel? Parce que c'est pas évident, chacun est sur son métier. Vous êtes un site à la fois avec, bien sûr, des bureaux, mais aussi des installations externes. Est-ce que vous arrivez à faire partager ce genre de préoccupations et d'associer peut-être d'autres collaborateurs à... Ce qu'on fait par rapport au GDE, c'est que l'animateur du GDE n'est jamais la même personne. On a chaque année, on alterne en fait entre des membres du service RH et des membres opérationnels. Après, les accompagnateurs sont toujours des personnes qui viennent du terrain, des cadres dans la plus grande partie, mais qui viennent du terrain de la maintenance, de l'exploitation ou du siège. Et donc ça permet effectivement d'avoir un partage global sur les trois divisions, que comporte Eurotunnel. Au-delà de ça, on a un journal interne qui est plutôt bien fait, bien lu et aimé, adoré pour son contenu. Et donc, systématiquement, qu'on a ce genre d'activité, comme là, on commence à partir de lundi la prochaine session, on communique systématiquement dans le journal interne sur ces projets-là. On a une pop
une population de salariés dont les enfants commencent à être en âge d'être étudiants, puisque ça fait 24 ans que Eurotunnel existe et que les gens sont là. Et donc ils sont aussi intéressés pour ces questions-là. Ils nous demandent aussi de temps en temps de recevoir leurs enfants en stage. Et donc ils sont aussi intéressés par ce biais-là. Donc on essaye de communiquer aussi au fur et à mesure, une fois qu'on a des questions de l'ensemble des salariés. Vous êtes combien de personnes sur le site, sur Calais en tout? Sur Calais, on est entre 1500 et 1600. D'accord. Séparés en trois divisions. Bien. Amélie, ça vous dirait d'aller travailler à Eurotunnel? Oui. Bon. Tout simplement pour vous dire qu'il n'y a pas forcément de lien, quelquefois, entre la perspective de l'embauche et puis l'entreprise qui apporte son concours à la démarche GDE. Quelquefois, ça le fait, mais quelquefois, ça ne le fait pas. On est bien d'accord. Ouais. Bien. Plus de questions? Donc, deuxième séquence. Je vous ai dit tout à l'heure que Réseau Alliance appartenait à un réseau, à plusieurs réseaux d'ailleurs. Mais il y en a un qui nous est cher parce que lui aussi, il est totalement orienté vers les jeunes. Hein, c'est la Fondation Agir que nous avons rejoint il y a 3 ans maintenant. Et donc, pour nous en parler, nous avons Olivier Asselin, son président, qui est là et qui va... dans un timing, comment dire, serré. Après, tu veux dire que je me dépêche sur oui, beaucoup de temps. Oui, monsieur, okay. Jean, t'as vu, j'ai cette... qui va donc nous présenter, comment dire, la Fondation Agir. Et puis ensuite, Christine Jubin, sa déléguée, nous parlera d'une action concrète qu'on est en train de mener. Alors, on commence par le film, Christine. Alors, un petit film, c'est parti. Comme ça m'évitera de parler après, puisque le film explique tout. Donc, On va te poser des questions. Oui, non, même. La jeunesse du Nord-Pas-de-Calais n'a pas d'avenir. Nous refusons de croire que ces jeunes sont motivés, qu'ils ont envie de s'intégrer et qu'ils veulent s'en sortir, surtout parmi les moins favorisés. C'est vrai que le niveau de formation est faible et les décrochages scolaires élevés. Mais il y a plus de chômage ici qu'ailleurs. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. La jeunesse du Nord-Pas-de-Calais est une cause désespérée. Certains vous diront que, pour générer de l'énergie et du talent, ils ont simplement besoin d'un coup de pouce de notre part. C'est faux. Ils ont simplement besoin d'un coup de pouce de notre part pour générer de l'énergie et du talent. Certains vous diront que la jeunesse du Nord-Pas-de-Calais est une cause désespérée. Nous ne faisons pas partie de ces gens-là. Il y a plus de chômage ici qu'ailleurs. Le niveau de formation est faible et les décrochages scolaires élevés. Mais ils veulent s'en sortir, surtout parmi les moins favorisés. C'est vrai que ces jeunes sont motivés, qu'ils ont envie de s'intégrer. Et nous refusons de croire que la jeunesse du Nord-Pas-de-Calais n'a pas d'avenir. Voilà. Il n'y a pas grand-chose à dire d'autre. Le Nord-Pas-de-Calais, c'est plus de 15 000 décrocheurs scolaires par an. Hein, c'est colossal, c'est ça l'ampleur du sujet. Et je pense qu'il y a beaucoup à faire. Alors, Agir, finalement, c'est une fondation, un fonds de dotation, une fondation qui a été créée notamment à l'initiative de 5 associations dont le caractère commun, finalement, et qui est le mot sans doute le plus important de la journée, c'est l'accompagnement. L'accompagnement pour des populations qui sont totalement différentes. On vient d'avoir un très bel exemple de l'Alliance Diversité qui accompagne des jeunes diplômés qui ont, voire Bac plus 5, voire 6, 7, mais il m'est arrivé dans des G2 d'avoir des Bac plus 10. Alors, et puis, on va jusqu'à l'école de deuxième chance, où là, c'est totalement différent. Ce sont des jeunes qui sont plutôt... entre guillemets à la ramasse, hein, qui tout d'un coup, après avoir divagué et sans vraiment beaucoup d'objets, vont se remettre à se réimpliquer pour se remettre à l'action. Et là, à nouveau, l'école de deuxième chance va les accompagner pour leur permettre de se redresser, de se mettre en route. Accompagnement bienveillant et méthodologique. Et c'est ce qui fait le point commun de toutes les associations qui font partie du conseil d'administration d'Agir, qui a été formé notamment avec également et grâce au soutien de certains nombres d'entreprises, avec un objectif qui va être de porter cette cause des jeunes, hein, pour les ramener à l'emploi et à la diversité. Alors je vais vite parce qu'il y a des diapos qui disent la même chose.
Mais bon, on arrive voilà, à l'objectif de favoriser l'accompagnement des jeunes, impliquer notamment les moins favorisés, dans la réussite professionnelle, trouver un emploi et à la citoyenneté. On peut bouger. Alors, les méthodes sont toujours innovantes, pédagogiques, méthodiques, comment dirais-je, validées, contrôlées, avec des résultats qui sont publiés, et ainsi de suite. Donc, c'est un accompagnement à chaque fois individuel, qui est dans lequel est fait avec bienveillance, mais avec beaucoup d'exigence aussi. Hein, si les jeunes, finalement, viennent avec de façon un petit peu mitigée, ben, finalement, ben, on ne les gardera pas forcément. Et puis dans la confiance et le respect mutuel de chacun. Voilà, des jeunes impliqués. Impliqués est important puisque c'est eux qui veulent bouger. Et les résultats sont performants parce que dans nos associations, globalement, ça va de 70 à 90% de réussite de mise à l'emploi ou à la formation. Vous prenez Alliance Diversité, on peut dire parler de 70%. L'école de deuxième chance, on peut monter à 75%. Hein, c'est d'ailleurs dans les écoles de la deuxième chance nationale. Celle de Lille est une de celles qui est la plus performante. Fais attention, tu parles sous contrôle, là. Comment ? Tu parles sous contrôle, là. J'ai dit des bêtises ? Ouais. On n'entend pas très bien, il paraît. Alors, je vais parler plus fort. Ouais. OK. Ensuite. Voilà. Alors, bien sûr, tout ça, c'est fait grâce aux entreprises dont on a besoin sous deux angles. Les entreprises, quand on parle d'emploi, eh bien, on peut difficilement éviter les entreprises, parce que ce sont les principaux pourvoyeurs et les organismes qui accueillent nos jeunes, soit dans le cadre de parrainage, de stage, on l'a vu tout à l'heure, et puis qui les embaucheront après. Hein. Mais la deuxième chose, pour qu'Agir puisse mener sa mission et porter ce message de la jeunesse vers notamment un cercle élargi, il n'y a pas que les entreprises qui peuvent les aider, mais également, je pense notamment au privé. Sur le plan privé, c'est une cause qui est un petit peu moins sans doute... comment dirais-je, évoquer que celle de la santé ou du confessionnel et autres. Et donc notre boulot, c'est d'aller faire porter ça également vers les particuliers pour les faire connaître, pour qu'ils puissent éventuellement, comme les entreprises, contribuer à l'effort qui est fait en faveur de ces jeunes. Voilà. Donc on mobilise, on fait connaître sur tous les segments, sur toutes les populations de marché, entreprises particuliers. Et bien sûr, nous sommes une fondation dont les financements que nous allons collecter vont permettre de financer les associations que nous venons d'évoquer et d'autres, puisque un tiers de notre collecte va aller vers des associations dont la vocation est la même, basée sur la méthodologie et la bienveillance. Voilà. Voilà, Christine. Je pense que je peux vous passer, qu'on peut passer au sujet de la génération. Oui. Simplement une question pratique. Quelqu'un ou un groupe, là, a un projet. Comment il fait? Faut qu'il l'écrive. Il faut qu'il l'écrive comme un projet d'entreprise. Si le projet est construit, effectivement, et dans ce domaine, notamment de l'accompagnement de la jeunesse vers l'emploi, qu'il y a derrière effectivement un projet, une méthode, des objectifs, eh bien, ils nous écrivent et nous étudierons les projets et éventuellement nous les financerons si le projet est retenu et il rentre dans les critères de sélection, de choix d'agir. Voilà. D'autres bien. Questions, si vous voulez poser des questions, je suis... Oui, bon, alors on va continuer. Vous allez voir que effectivement la Fondation Agir, donc avec Réseau Alliance, hein, autant que je sache, bon, manage aujourd'hui un projet, ce qui est un projet de formation. Et je vais laisser le soin à Christine de vous en parler, de vous le présenter. Bonjour. Donc voilà, comme vous l'a présenté Olivier, le savoir-faire finalement de toutes nos associations, c'est de faire travailler ensemble des jeunes. Qui sont à la recherche d'emploi, des jeunes décrocheurs scolaires de l'école de la deuxième chance, des jeunes bacheliers brillants d'Areli, des jeunes diplômés du réseau Alliance, des encore plus jeunes qui créent des mini-entreprises avec EPA, des jeunes volontaires du service civique avec Unicité. Tous ces jeunes, ils sont accompagnés vers l'insertion professionnelle et la citoyenneté par des collaborateurs d'entreprises bénévoles qui viennent s'impliquer dans les programmes des associations, mettant des collaborateurs à disposition pour être parrain, pour être jury, pour animer un GDE. Donc ça, voilà, les associations qu'on accompagne, elles ont vraiment ce savoir-faire de pouvoir qui s'inscrivent généralement dans leur politique RSE, de pouvoir mettre des collaborateurs à disposition des associations pour des engagements très concrets. Hein. Animer un GDE, ça... J'imagine que ça ne prend pas tout votre temps. C'est une durée limitée.
Et donc ça peut s'inscrire très très bien dans une vie d'entreprise. Et pour tous les collaborateurs, il n'y a pas besoin forcément d'être uniquement le DRH groupe pour pouvoir animer un GDE. Ça peut aussi, voilà, des gens d'encadrement peuvent s'en occuper. Donc on a ce savoir-faire finalement qu'on a identifié dans nos associations, cette capacité à faire travailler ensemble et à faire progresser ensemble des jeunes de différentes générations. Parce que quand on anime un GDE également, on reçoit beaucoup, on donne, mais on reçoit beaucoup et on grandit. Donc fort de ce savoir-faire, on a imaginé... Voilà, on s'est rendu compte qu'il y avait des richesses. On va avancer à la fois, appuyer comme ça à chaque fois. Des richesses, des clichés peut-être, sur la manière de travailler, de manager les différentes générations quand on est un X, un Y, un Z. Voilà, on a entendu pas mal de choses émanant des entreprises. Et on s'est dit que nous, on était capable d'apporter une solution pour permettre aux personnes de générations différentes en entreprise de mieux travailler ensemble, de mieux savoir quelles étaient les attentes de chacun en termes de management et comment progresser ensemble. Donc on a décidé de monter, voilà, pour faire fi de tous ces clichés, de monter un atelier de coworking qu'on appelait Agir Ensemble, atelier de coworking intergénérationnel, qu'on a monté main dans la main avec le réseau Alliance, avec notamment Caroline qui est là et Céline, avec le soutien financier de la Fondation Caisse d'Épargne Nord France Europe, qui avait lancé un appel à projet en 2015 sur intergénérationnel contre la précarité. Donc voilà, donc il nous semblait que d'arriver à faire mieux travailler ensemble des collaborateurs de différentes générations dans une entreprise, ça permettait de lutter contre la précarité de l'emploi des jeunes. Donc cet atelier, c'est assez simple, en étant, voilà, souvent dans les entreprises, on a des formations sur la génération X, Y, avec un PowerPoint, quelqu'un de très intelligent qui vient nous expliquer ce que c'est qu'un jeune. Nous, on a choisi, voilà, et c'est important, mais nous, voilà, on a choisi de les faire travailler ensemble sur une après-midi, des jeunes de l'entreprise, des collaborateurs un peu plus âgés de l'entreprise, ou des jeunes issus des associations, voilà, et de les faire travailler ensemble pendant une après-midi avec un animateur extérieur pour arriver à mieux comprendre les attentes de chacun en termes de management et voir comment aller plus loin que ce qui se pratique actuellement dans l'entreprise. Donc cet atelier, il est prêt. On va le tester auprès d'une ou deux de nos entreprises mécènes. On va leur offrir cette possibilité. Et après, on va le déployer sur la région en le proposant, voilà, aux entreprises du réseau Alliance pour pouvoir permettre d'améliorer l'équilibre de management dans les entreprises. Voilà. Bien. Peut-être qu'avant que Daniel témoigne de l'engagement de la Fondation Caisse d'Épargne, chez les jeunes, là, ça vous dit ? C'est quoi ? C'est des mots ? Ça, vos réactions. Ma réaction. Non, c'est vrai que ça peut être intéressant pour mieux comprendre comment les générations qui ne sont pas les nôtres fonctionnent et travaillent, parce que c'est vrai qu'on a une manière de travailler qui n'est pas forcément la même selon notre âge, si je peux le dire. Voilà. Et sur le projet que vient de présenter Christine, ça vous donne des idées ? Non, t'as pas suivi. Si. Bon, Daniel, tu mets un peu plus, tu mets l'eau à la bouche de tous ces jeunes là. Je vais essayer, je vais continuer. Déjà, très heureux, Daniel Witkowski, donc Caisse d'Épargne Nord France Europe. Content de voir Amélie tout d'abord. Hein. Amélie, je l'ai croisée plusieurs fois par jour pendant de nombreuses semaines. Elle était à la direction juridique de la caisse. Et puis moi, j'étais dans le couloir d'en face. Hein, et puis voilà, elle travaillait vraiment. Hein. Pour moi, c'était une collaboratrice. Mais elle travaillait vraiment, si. Une collaboratrice de la direction juridique. Et je pense que les dossiers sur lesquels elle a travaillé, elle les a fait avancer. Hein, donc, grand plaisir en tout cas de te voir. Et puis de te voir t'exprimer avec autant de satisfaction également. Je suis content d'être ici également à l'IAE parce que j'y viens de temps en temps donner quelques cours. Je trouve que l'auditoire est très calme ce soir par rapport à ce que j'ai habituellement. Ça bouillonne,
ça bouillonne par moment, il faut calmer un peu l'effervescence, donc lâchez-vous aussi hein, avec vos questions, hein, faites comme si vous étiez les étudiants. Je connais aussi un petit peu l'IPA, hein, j'ai vu Monsieur de Bourse il y a très longtemps, hein, donc c'est une vieille histoire, donc j'ai envie de dire que le monde dans lequel on est, c'est un vaste réseau. Pensez-y, tissez les réseaux, participez, soyez les mailles de ce réseau, parce que c'est par là qu'on gagne en efficacité, on gagne du temps. Hein, moi, je m'en suis rendu compte, mais peut-être un petit peu tard, finalement, à mon goût, et je trouve que ça a énormément de valeur, et je remercie tous les acteurs ici. Hein, Olivier, je l'ai croisé dans une vie professionnelle précédente, hein, et je me rends compte que finalement, on a plusieurs vies, on a plusieurs activités, et je pense qu'il ne faut pas attendre la vie suivante, il faut surtout croiser les activités, c'est comme ça qu'on a des leviers et des rencontres. Quelqu'un a dit des rencontres improbables, hein, c'est dans un autre cercle, mais c'est aussi ça l'intérêt. Alors, trêve de blabla, on va dire concrètement les choses. Nous, Caisse d'épargne, hein, 2400 collaborateurs, on fait de la banque, mais on ne fait pas que de la banque. On a du sociétariat, on a des sociétaires, et puis on a une longue histoire de philanthropie. Et on s'est doté d'une fondation Agir et Réussir Ensemble il y a quelques années. Elle n'est pas très vieille, notre fondation, c'est maintenant une fondation d'entreprise depuis cette année, donc c'est encore plus fort. On existe depuis 4 ans en termes de fondation, et on a mené chaque année, au-delà des actions habituelles, une opération d'envergure à travers un appel à projet. On a mené un premier appel à projet qui traitait de l'insertion des jeunes. Tiens, bizarre, on en parle encore aujourd'hui, on voit bien que c'est toujours une thématique. On a mené l'année suivante un sujet qui traitait du maintien à domicile, de la vie à domicile, de l'innovation. Donc on était finalement complètement à l'autre bout, c'est-à-dire qu'en s'étant occupé du sujet sur la jeunesse l'année précédente, l'année suivante, on était tourné plutôt hein, vers les personnes âgées hein, et le maintien à domicile. Et on s'est rendu compte, à travers les dossiers présentés à la Fondation, dans ce cadre de cet appel à projet, que finalement, les deux dossiers se faisaient un écho formidable. Hein, on voyait bien qu'il y avait du lien évident à faire entre les deux sujets. Et puis, l'année suivante, donc en 2015, on a travaillé au niveau d'une thématique l'intergénérationnelle, pardon, c'est compliqué à dire. Et on a trouvé, à cette occasion, on a croisé Agir, hein, qui avait un beau dossier, hein, dont Madame Jubin vient de parler. Le dossier a concouru, il a remporté un prix parmi les 25 lauréats et on est modestement contributeur, bien sûr, mais très fier hein, de cet atelier qui vit. Hein, moi, j'y crois beaucoup effectivement parce qu'on peut avoir des beaux diplômes et pas de réseau. On peut, à l'opposé, peut-être avoir du réseau et pas de diplôme. Voilà, donc il y a des choses qu'il faut faciliter. Je crois qu'on doit faire sa part, comme on dit, tous, autant qu'on est. Et nous, la Caisse, hein, à travers notre fondation, eh ben, on fait ce travail avec beaucoup de plaisir, beaucoup de fierté. Je fais un petit lien sur le quatrième appel à projet. Hein, je fais un petit peu de publicité, vous ne m'en voudrez pas, de la fondation. Il est en train de se dérouler et puis les dossiers doivent être rentrés pour le 31 octobre. C'est une thématique sur l'emploi et le handicap. Donc on y trouve aussi les jeunes. Hein, donc dépêchez-vous d'envoyer des dossiers si vous connaissez des associations pouvant être concernées. Il y a 300 000 euros hein, à distribuer. Donc il y a encore un petit peu de temps pour concocter un dossier. En tout cas, on est en plein dans le sujet. Hein. Voilà. Merci, merci. Oui, peut-être là aussi une question, Daniel. Comment faire partager ces engagements que vous prenez? Tu as dit combien? 2400 salariés. Oui, 2400 salariés. Alors ça veut dire que pour partager, il faut s'organiser encore une fois dans l'entreprise et décloisonner les choses. On a instauré, excusez-moi du terme, un comité de gouvernance RSE à l'intérieur de l'entreprise pour inspirer la fondation. Et ce comité de gouvernance, c'est intéressant parce qu'il est constitué de 8 membres. Alors, 4 de ces membres sont des personnes qui administrent la Caisse d'épargne, hein, au sens conseil d'orientation et de surveillance. Mais il y a 4 autres personnes qui sont des collaborateurs de la Caisse, le RH, la communication, Yolande, hein, qui est ici présente devant modestement, mais qui œuvre beaucoup, et puis un quatrième collaborateur qui s'occupe des moyens généraux.
Donc, avec ça, on traite les sujets, on développe des thématiques que l'on sent dans nos différents univers, et c'est un exemple de partage qui fait qu'on ouvre les choses, et la RSE, c'est pas un endroit, c'est pas dans la fondation uniquement, et la fondation trouve son inspiration grâce à ce comité. Ok, merci. Faites le lien, hein. Tout à l'heure en introduction, on a parlé de RSE en entreprise, de ce terme un petit peu technocratique, hein. Et au travers de ces témoignages, ces exemples, toutes les actions qui en passent justement par l'engagement responsable de l'entreprise. Merci encore, Daniel. Je vois qu'il n'y a pas de doigt qui se lève, donc on va poursuivre. Mais je pense que là, on va vraiment rentrer dans le sujet principal un petit peu de cet après-midi. Donc, Marie-Ève, peut-être avant, ce que je vais vous demander, c'est comment vous êtes arrivée à ce projet personnel pour vous, qui a été de créer une société et puis de dispenser vos compétences, vos savoirs auprès de l'entreprise. Qu'est-ce qui vous a motivé vous auriez pu aussi faire RRH chez Eurotunnel. Pourquoi pas. Bonjour à tous. Ce qui m'a motivée, moi je suis une ancienne étudiante de l'IAE, donc je suis très contente d'être là aujourd'hui. Je savais, hein, mais vous avez vu, ça traîne pas hein, tout de suite. Ce qui m'a motivée, alors ce n'est pas parce que je suis une Y que forcément j'avais envie de créer ma boîte, mais en tout cas moi personnellement c'est quelque chose qui m'animait depuis toute petite, de vouloir faire ce que j'avais envie de faire, et d'avoir une certaine liberté, je dis bien une certaine liberté, mais c'est surtout que j'ai été formée ici aux ressources humaines, et ensuite j'ai été formée au Canada, au Québec, qui a beaucoup d'avance dans les ressources humaines, où là, le sujet de la transmission des compétences, c'est-à-dire sauvegarder les savoir-faire qui existent en entreprise, était déjà bien développé il y a plus de 10 ans maintenant. Et donc, quand je suis revenue en France, j'ai décidé de créer le premier cabinet spécialisé sur ce sujet. Premier cabinet. Pour permettre au fait, aux organisations de toute taille de vraiment sauvegarder tous les trucs, astuces, l'expérience, le vécu de leurs collaborateurs, quel que soit leur métier et surtout quel que soit leur âge. Parce que qu'on soit jeune ou senior, on a tous une compétence à transmettre. Vous êtes pratiquement déjà rentré dans le sujet. Oui, je suis toujours à fond. Donc ouais. Alors, vous y allez à fond. Vous avez 30 minutes. Oui, alors, donc comme je vous dis, je suis Marie-Ève Delescluze. Donc je reprends du coup un petit peu ce que j'ai fait. Alors, pour être dans le cœur du sujet, je me décris aussi, je suis une Y. Ah, donc une Y. Je suis donc désinvestie. Je n'ai aucune capacité de travail. Je suis désengagée. J'ai envie de gravir tous les échelons de la hiérarchie le plus vite possible. C'est peut-être pour ça que j'ai créé ma boîte, d'ailleurs. Et aussi, je suis connectée. Donc, bien sûr, vous n'avez pas vu les fiches Bristol. Et si j'ajoute à ça qu'en plus, je suis une femme, je suis donc émotive, critique, jalouse, maternante, ou alors son opposé, je suis une féroce. Bref, vous voyez, c'est un peu décevant, parce que je ne suis que ça, une chef d'entreprise de 34 ans. Ce que je veux vous dire, on sait très bien, et madame en a parlé tout à l'heure, les clichés sont tendance. On adore les stéréotypes. D'ailleurs, un de mes préférés, en dehors du fait de celui sur les Y, ou les Z qui vont arriver, un de mes préférés, c'est celui sur les seniors et leur faible capacité d'adaptation, voire leur grande résistance au changement. C'est bien connu, les seniors, ils ne veulent pas s'adapter. Ils ont commencé à travailler, c'était la machine à écrire. Ensuite, on est passé au Minitel, ensuite au fax. Ensuite, les commerciaux, pour aller en rendez-vous, quand ils devaient prévenir leurs clients de leur retard, ils mettaient des sous dans une cabine téléphonique. Et après, ils ont connu le téléphone de voiture. En tout cas, je vois mon père, je me rappelle qu'il se cassait le dos dès qu'il portait, pour ensuite finir avec le téléphone portable. Donc ça me fait bien rire quand on parle de faible capacité d'adaptation chez les seniors. Alors j'ai envie de dire pourquoi tous ces clichés, pourquoi tous ces stéréotypes, surtout que les études montrent que 80% des seniors affirment n'avoir aucun problème à travailler avec les jeunes. Donc j'ai tendance un petit peu à penser qu'on crée des problèmes où il n'y en a pas. Quand on m'a demandé d'intervenir sur la coopération intergénérationnelle, souvent on me demande de parler de conflits intergénérationnels. Or, est-ce que vous avez déjà connu des conflits intergénérationnels? Quand je parle de conflits intergénérationnels, je ne parle pas de conflits entre des personnes, ou des conflits plutôt liés à la personnalité, voire des conflits d'intérêts ou d'objectifs. Moi, je pense que les difficultés qu'on peut voir avec cette multitude de générations, ce n'est pas lié à leur date de naissance ou à leur génération. Je prends parti pour dire que c'est lié plutôt au retard que peut avoir l'entreprise d'évoluer avec ces nouvelles générations. Les nouvelles générations ne sont pas en train de révolutionner le monde. Ce qui révolutionne le monde, c'est le numérique. Le monde est en bouleversement et c'est ces nouvelles générations qui portent cette révolution avec le numérique. Donc je me dis que les problèmes, j'aurais tendance à penser, qu'ils sont plutôt liés à un retard de l'organisation,
par rapport à l'évolution de la société. Mais bon, du coup, je ne vais pas m'attarder, l'objectif de cet après-midi est d'abattre les préjugés et les clichés ensemble. Alors pour ça, il faut déjà mieux les comprendre. Parce que si on comprend mieux les différentes générations, bah, du coup, on va un peu moins les juger. Donc ce que je vous propose comme programme, vous présentez un peu les trois générations qui sont présentes à l'heure actuelle en entreprise. Baby boomers, X, génération Y. La Z, je vous en parlerai un petit peu après. Quels sont les leviers d'action pour renforcer la coopération en entreprise? Je vous en propose trois, vous verrez, très très simple. Et puis surtout, ils arrivent, les fameux Z qu'on attend avec impatience. Alors, avant de présenter les trois générations, mettons-nous d'accord sur une définition. Qu'est-ce qu'une génération? Alors, il existe une multitude de définitions politiques, démographiques, historiques, sociologiques, il y en existe énormément. J'ai décidé de choisir la définition sociologique et vous retenir trois critères principaux pour que vous compreniez bien c'est quoi une génération. Alors tout d'abord, le premier critère, c'est un groupe de personnes qui est né à peu près au même moment, qui a à peu près le même âge, mais surtout qui a vécu des événements historiques, politiques, sociaux, culturels au même moment. Et ça, du coup, ça leur résulte une vision du monde commune, voire un monde de pensée assez similaire, puisqu'ils ont vécu tous ces événements en même temps. Ça, c'est un premier critère à retenir. Deuxième critère, c'est qu'une génération se construit à l'adolescence. On appartient plus à la génération de sa jeunesse qu'à celle de sa naissance. C'est logique, puisque, comme je vous disais, c'était le moment de vivre les événements. Les événements, on ne les vit pas quand on a 6 mois ou 3 ans, d'accord ? C'est plutôt quand on est ado. Et le dernier critère très important, c'est qu'une génération, ça s'élabore en opposition avec la génération précédente. Ce qui veut dire que les conflits, les critiques et les désaccords sont nécessaires pour qu'une génération existe. S'il est pareil que la précédente, elle n'existerait pas. Donc tous ces petits clichés, ces stéréotypes, ils sont un petit peu nécessaires pour faire vivre en fait les générations. Les spécialistes historiens de la génération, qui sont Ho et Strauss, précisent qu'une génération, elle évolue en fonction de la situation économique dans laquelle elle grandit, dans laquelle la génération va grandir, dans laquelle la génération va devenir adulte, parent et ancien. Mais c'est donc la situation économique qui contribue à forger son rapport au monde. C'est pour ça que je vais vous proposer un portrait maintenant des trois générations présentes, mais d'un point de vue économique, social, et j'ai appelé ça sociétal, mais vous verrez, c'est un petit mot fourre-tout. Mais je voulais vraiment vous montrer que ce n'est pas un portrait des points positifs et des points négatifs des générations, ça n'aurait aucun sens, mais quels sont les différents événements économiques et sociaux qu'ils ont vécu, qui ont du coup forgé un rapport différent au monde de l'entreprise. Alors, on commence par la première, les baby boomers. Donc 1944-1960, on est vraiment sur la génération après-guerre. Alors, pardon pour ça. Alors, au niveau contexte économique. Alors, économiquement, on est en pleine croissance, c'est le plein emploi, c'est l'après-guerre, et surtout, on est dans la consommation de masse. Donc, tout va bien économiquement. Socialement, alors, il y a un poids très fort des institutions, notamment en France, de l'Église, mais aussi de l'armée, de l'éducation, qui impactent énormément dans la vie des personnes. La famille, elle a une image de famille unie et surtout consommatrice. Il y a un vrai développement d'éducation. Il y a le début de la liberté sexuelle et l'amorce de mai 68. Donc sociétalement, en termes d'ambiance, on est en plein optimisme, en plein positif, et surtout l'ascenseur social est au top. Donc quand on est dans une situation comme celle-ci, forcément, ça forge un rapport différent au monde de l'entreprise. D'accord ? Donc du coup, je vous ai mis un peu comment ils voyaient l'entreprise. Alors, il faut savoir que l'entreprise, pour les baby boomers, puisque c'est l'entreprise de l'époque, a un rôle très important. On est sur une entreprise éducatrice, on est sur une entreprise intégratrice, socialisatrice, c'est un peu le prolongement de la famille, d'où le management paternaliste très connu à l'époque. Et donc, si vous voulez, le travail est signe de valorisation. La valorisation à cette époque passe par le travail. Et donc, forcément, comme l'entreprise donne beaucoup, les personnes aussi donnent beaucoup et ont un vrai respect et dévouement pour l'entreprise, ils ont un rapport de subordination élevé, et surtout à cette époque, les changements viennent de l'entreprise. Ça veut dire tout ce qui est innovation technologique, viennent avant tout de l'entreprise et la société suit. On verra que maintenant, c'est tout à fait le cas. Donc ça, c'est vraiment pour le rapport à l'entreprise. Le slide suivant, j'ai voulu, pour vous comprendre un petit peu, parler de choses un peu diverses. On peut dire que leitmotiv des personnes nées à cette époque-là, c'est l'ordre et le respect. Le leader, leur icône, serait le général de Gaulle.
Le signe de liberté, la voiture, le fameux piège à filles à l'époque pour les hommes. L'objet technologique, la télé, qui arrive dans les foyers. Et donc, c'est des enfants qui ont été baignés comme dessins animés, la plupart du temps, par Nicolas et Pimprenelle. Forcément, ça ne forge pas le même rapport au monde. D'accord ? Alors, si on enchaîne maintenant, vous avez compris le principe, je vais faire ça aussi par la génération X et la génération Y. Alors, la génération X. Alors, X pour... Pour sacrifier. Ça commence bien, hein, vous imaginez ? Alors, X pour sacrifier, puisque c'est la génération qui a connu le plus de bouleversements et de pertes de repères. C'est pour les personnes nées entre 1960 et 1980. Alors, qu'est-ce qui s'est passé pour ces personnes ? C'est souvent soit les petits frères ou les petites sœurs, ou les enfants de la génération, waouh, où tout était au top et tout allait très bien. Économiquement, dégradation. L'apparition du chômage. Chose que leurs parents ne leur avaient jamais parlé. Tu fais des études, tu as un diplôme, tu as un emploi. Tu peux même quitter l'entreprise, aller juste en face. Ils vont te prendre. Eux, ce qui se passe, c'est tout d'un coup, ils se rendent compte qu'il y a le chômage qui arrive. On peut rechercher un emploi et ne pas en trouver un tout de suite. Et du coup, panne de l'ascenseur social. Ça veut dire qu'ils se rendent compte qu'ils ne sont plus sûrs de réussir aussi bien, voire même mieux que leurs parents. Socialement, l'apparition du divorce et surtout une multiplication des familles monoparentales. Le sida, Tchernobyl, bon, ça, c'est pas du tout gay. Par contre, ce qui est positif, les plus grands développements scientifiques sont apparus à ce moment-là aussi, avec notamment les bébés éprouvettes, et puis le début de la micro-informatique avec l'arrivée de l'ordinateur. Donc, sociétalement, j'ai résumé ça par un grand désenchantement, c'est-à-dire qu'il y a une désillusion par rapport à ce qu'ils ont connu avec leurs parents, donc une vraie perte de repères qui incite, du coup, à en créer des nouveaux. Alors, quel repère on va se créer alors que tout ce qu'on a connu et ce qu'on nous a dit, bah, c'est pas vraiment ce qui se passe. Et c'est aussi une grande période de découverte. Alors, forcément, vous imaginez que quand on connaît le chômage qu'on ne connaissait pas, quand on entend parler de licenciement et de PSE, ça ne forge pas la même niaque dans l'avenir que quand on a connu le plein emploi. Donc, leur rapport à l'entreprise, forcément, change. L'entreprise ne donne plus ce qu'elle donnait avant. En tout cas, apparemment, la promesse n'est plus forcément respectée. Du coup, l'importance du travail est remise en cause. Quand je dis l'importance du travail, c'est plutôt son aspect valorisant. Là, la génération X s'est posée comme question en disant « Il y a peut-être un autre moyen de réussir que le travail. » Donc, ils commencent à être désillusionnés, mais restent dociles. Ils recherchent un rapport plus équilibré et moins dévoué à l'entreprise. Et surtout, c'est le début de la recherche de l'équilibre vie perso-vie professionnelle. Cet équilibre qui est fort porté par les Y, il a débuté dans les années 60, mais surtout par les femmes. C'est un combat uniquement féminin pour les femmes qui travaillent. Aujourd'hui, c'est un combat autant masculin que féminin pour les autres générations. Alors, si on prend le slide suivant comparativement, leur leitmotiv, c'est plutôt la réussite sociale, mais ils se rendent compte que ce n'est plus le chemin du travail forcément qui peut y arriver. Leur leader, on avait Général de Gaulle, là, on est plutôt sur Steve Jobs. Le signe de liberté, l'ordinateur. L'objet technologique, j'aurais pu mettre l'ordinateur, il fallait que je trouve autre chose. Donc, j'ai mis la cassette vidéo et la cassette audio. Vous savez, quand vous enregistrez et puis vous faites reverse et puis ça se retourne, super. Et le dessin animé, eux, ils sont plutôt baignés sur l'île aux enfants. OK ? Donc, si vous m'avez suivi, ils sont déjà en train de s'interroger. Ils sont en perte de repère, mais voilà, ils se posent des questions. Ah, ça, c'était super avant, nous, ça a changé. Voilà. Et arrive la génération suivante, qui est donc la génération oula, Y. Vous voyez, je suis très douée informatiquement en tant qu'Y, parce que je n'ai pas su aligner le titre. Mais la génération Y, 1980-1995. Alors, Y, pourquoi ? Alors, voilà. Au niveau marketing, on dit qu'en effet, ça correspond au fil de l'iPod. Pourquoi ? Donc, il y a trois significations. Y aussi pour le why, très bien, madame. Pour le why de pourquoi ? Trouver du sens. Apparemment, les Y sont toujours avec leur pourquoi je fais ça, à quoi ça sert ? Et aussi, parce que c'est après X, hein, j'ai envie de dire, donc on ne se casse pas trop la tête. Alors, la génération Y. Ah, mon Dieu, mon titre est décalé, c'est pas. Économiquement. Alors, avenir complètement incertain. Ils sont tellement nés dans une incertitude que, si vous voulez, on prend beaucoup plus de risques. Parce que quand on ne sait pas ce que c'est avoir le confort, on a moins peur de l'inconfort. Donc, on tente des choses parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. On a moins peur de tenter des choses quand on est sûr de ne pas perdre de privilèges. Ce qui était différent des baby-boomers. Alors, avenir économique incertain, apparition, quoi, mondialisation, financiarisation, ça veut dire qu'il y a beaucoup plus de poids et l'intégration de la bourse dans la gouvernance d'entreprise.
Alors là, j'ai marqué le chômage égale un statut. La génération X l'a découvert de plein fouet. La génération Y se dit, chômeur, en fait, c'est un statut. Un peu, c'est... Voire c'est un peu inévitable pour tout le monde qu'à un moment donné dans sa carrière professionnelle, il connaisse le chômage. Et puis aussi, c'est consommateur. Consommateur, ça veut dire comparé aux baby boomers où les inventions techniques et technologiques venaient de l'entreprise, là, elles viennent de la société. La société, des consommateurs, du public, qui du coup demandent à l'entreprise d'évoluer par rapport à leurs besoins. Alors, socialement, apparition du terrorisme, par contre, apparition d'Internet, vous savez, caramel.com, hein, pour ceux qui sont de cette génération, ouh, et élévation du niveau de formation. Alors, élévation du niveau de formation. Il faut savoir qu'en 1960, 20% de la population française était bachelier. 30 ans plus tard, 70% est bachelier. Donc forcément, pour l'accès à l'emploi, l'apprentissage et les métiers, c'est bien différent. Sociétalement, du coup, on est dans l'insécurité versus liberté. L'insécurité financière, l'insécurité un peu physique. Et du coup, ça amène à une quête de liberté, de se dire, bah, façon, de toute manière, comme on ne sait pas ce qui va se passer, on va tenter des choses. Du coup, si on prend le petit slide avec les leitmotivs, d'abord, le rapport à l'entreprise. Alors, ils ont bien compris. Ça y est, il y a eu déjà les X qui sont passés avant, qui sont leurs parents ou leurs grands frères, grandes sœurs. Ils se sont dit, non, mais c'est bon. L'entreprise ne peut plus me promettre ce qu'elle promettait à mes parents. Je le sais, c'est terminé. À quoi ça sert de travailler toute sa vie si c'est pour attendre la retraite? Donc, la génération Y s'est dit, OK, moi, je dépasse la désillusion et je vais créer ce que l'entreprise ne peut plus me donner. D'accord? En fait, on ne peut plus exiger la même chose de ses collaborateurs si on n'est plus capable de donner la même chose. Donc, eux, c'est fin de la subordination et place à la collaboration. Ils sont plutôt dans un rapport gagnant-gagnant et puis prendre du fun. Prendre du fun, c'est qu'ils se sont dit, voilà, on travaille, ok, mais autant mieux prendre du plaisir et s'épanouir en même temps. Tout ça, vous l'avez bien compris, c'est par rapport aux événements qu'ils ont pu connaître. Si on continue. Leur leitmotiv, trouver du sens, le pourquoi, hein, pourquoi faire. En effet, tout ça pour ça, quand on voit ce qui s'est passé dans les générations précédentes. Leur leader, tout à l'heure, c'était Steve Jobs, là, on est plutôt sur Mark Zuckerberg. Le signe de liberté, j'ai mis l'avion, mais l'avion, pas pour l'apparition de l'avion, bien sûr, pour le côté un peu Ryanair, vous savez, où on peut partir en week-end à Rome dans 15 jours pour 50 euros. Donc du coup, tout le monde est accessible facilement. L'objet technologique, eh ben, on a le DVD, le téléphone portable et le dessin animé, on est plutôt baigné au Club Dorothée. Alors, en fait, les chevaliers du Zodiac, Juliette, je t'aime, tout ça. Donc, en fait, si vous l'avez bien compris, si vous m'avez suivi depuis tout à l'heure sur la génération X avait déjà des aspirations, des souhaits différents. Elle se posait déjà des questions, mais elle n'était pas soutenue, accompagnée. La génération Y arrive ici comme un porte-parole avec le couple qu'elle forme avec le numérique. C'est-à-dire que le numérique qui bouleverse le monde pousse la génération Y, du coup, en tant que porte-parole des autres générations. OK ? Alors, ce qui est très important de préciser après ce portrait générationnel, c'est de se dire que la génération, en fait, elle est moins déterminante dans le rapport au travail que, évidemment, les caractéristiques personnelles. Si vous ne mettez pas ça, je vous aurais fait peur. Donc, c'est la personnalité, les forces de la personne hein, qui définissent lui un collaborateur et pas le fait qu'il soit d'une génération Y. Mais également, sa classe sociale et son statut dans l'entreprise. On a tendance à penser que six clichés entre génération IA ou six problèmes IA, les études ont montré que c'était plutôt sur des postes moins qualifiés, c'est-à-dire des personnes qui ont un peu plus peur de leur avenir, ou voilà, c'est un peu plus incertain pour eux, donc ils ont tendance à être plus critiques. C'est comme quand on parle d'Y, manager un Y, en effet, c'est comme si on faisait une formation pour manager un célibataire, hein, c'est exactement le même sens. Et bien en tout cas, manager un Y, ça n'a pas de sens, surtout que être Y 4 dans une grande entreprise ou être Y sur la chaîne et travailler de nuit sur une chaîne automatisée, c'est forcément pas la même aspiration et les mêmes souhaits qui sont exprimés. Donc ça, je voulais vraiment insister, d'accord, sur le fait que c'est vraiment moins déterminant que ces trois caractéristiques-là. Alors du coup, trois leviers d'action pour renforcer la coopération en entreprise. Vous l'aurez bien compris, on abat les clichés, d'accord, et on voit comment on peut coopérer. Alors, quand je pose cette question-là, comment coopérer, on le fait déjà. Hein. Vous ne m'avez pas attendu, j'espère rien. Mais c'est simplement comment faire une force, comment faire un potentiel de cette diversité. Donc, tout d'abord,
abattre les préjugés, je l'ai répété, et puis Madame de la Fondation Agir aussi, et révéler les aspirations communes. Donc quand je dis abattre les préjugés, c'est du coup éduquer, communiquer. Maintenant, avec la connaissance que vous avez, et peut-être un petit peu celle que je vous ai apportée, ça, c'est à diffuser autour de vous, d'accord ? Parce que j'ai envie de dire qu'à notre époque, justifier le comportement d'un collaborateur par une phrase comme « Oh, c'est parce qu'il est jeune, qu'il n'arrive pas à arriver à l'heure » ou « parce qu'il n'a pas envie de travailler », donc ça veut dire justifier le comportement d'un collaborateur par l'attribution à une génération, pour moi, ça vient la même chose que donner du crédit à une blague sur les blondes. C'est exactement la même chose. Ensuite, une fois que les stéréotypes sont passés, l'important, allez-y, l'important, c'est du coup de travailler sur les aspirations communes. Ça veut dire que travailler sur les aspirations communes de vos collaborateurs, quel que soit leur métier, leur poste ou leur expérience. Arrêtons de travailler sur la différence. Travaillons sur le commun. En 2016, les aspirations les plus communes des collaborateurs sont la confiance, l'autonomie et la demande de qualité de vie au travail. D'accord ? Donc c'est à l'entreprise de se questionner. Qu'est-ce qui fait que ce collaborateur a envie de venir bosser chez moi ? Qu'est-ce qui lui donne envie de se lever le matin pour venir travailler ? Qu'est-ce qui lui donne envie de s'investir dans mon organisation ? Quelle que soit sa génération, travailler vraiment ensemble sur le collectif. Le deuxième levier d'action, du coup, comme je vous dis, le monde est en mutation, comme je dis, vous le savez très bien, avec la troisième révolution numérique, un sujet bien porté dans la région, ça demande à l'organisation de s'adapter. Et de travailler sur notamment le rapport au temps. Quand je vous dis le temps, on va parler de vitesse, d'immédiateté, de culture de l'instantanéité. Tout va vite, on veut une réponse tout de suite. La fameuse phrase inventée par les seniors, le projet que je donne, c'est à faire pour hier, elle a tout son sens aujourd'hui. D'accord ? Donc en fait, c'est qu'on se sent dépassé, on n'a plus le temps. Et ça, c'est pas générationnel, qu'on soit jeune ou senior. On a tous l'impression que dans une journée, on n'a pas eu assez de temps pour faire ce qu'on veut. On prône même le réveil plus tôt dans une journée, à 6h du matin, pour vraiment avoir le temps de penser à soi. Donc vous imaginez à quel point le rapport au temps s'est accéléré. Et d'ailleurs, face à ça, se développent des phénomènes comme le slow business, la slow food, pour apprendre à ralentir. Donc ça questionne l'entreprise sur son rapport au temps. L'organisation doit se questionner en disant, moi, quelle est ma gestion du temps par rapport aux activités, par rapport au poste? Quel est mon délai de prise de décision? Quelle est ma capacité à réagir à l'heure où on parle d'agilité dans les entreprises? Un deuxième rapport sur lequel doit travailler l'entreprise, c'est son rapport à l'espace. Alors l'espace, j'entends vraiment l'espace au sens propre du terme. C'est-à-dire qu'il n'y a plus de frontières, on travaille de partout, on communique avec tout le monde, de tous les coins du monde, on fait nos courses ou notre sport au bureau et on travaille de chez nous. Donc en fait, si vous voulez, l'entreprise n'est plus un lieu de travail, l'entreprise est un lieu de vie. Et donc là aussi, l'organisation doit s'interroger sur son rapport à l'espace, sur comment les optimiser, quelles sont les frontières qu'elle doit établir et surtout comment faire que ces espaces soient des vrais vecteurs de performance. Puis le dernier rapport, c'est le rapport à l'information. Là, je ne vais pas m'attarder, on le sait tous, en un clic, on a accès au savoir, on a une réponse sur, je ne sais pas, mon imprimante est en panne, ou alors j'ai entendu quelque chose à la télé, on va tous sur Internet, quelle que soit la génération, pour trouver la réponse. Il faut même savoir qu'en 15 ans, entre 2010 et 2015, quotidiennement, notre volume d'informations a été multiplié par 10. Par jour, on reçoit 10 fois plus d'informations qu'il y a 15 ans. D'accord ? Donc il y a vraiment une course effrénée à l'information. Ça, c'était le deuxième enjeu, travailler sur toutes ces choses pour s'adapter au monde, aux mutations qui est porté par les nouvelles générations. Le troisième et dernier levier d'action, qui est forcément, partager et transmettre. Donc quand je parle de partager et de transmettre, je parle forcément de transmission des compétences. Comme je vous expliquais un petit peu tout à l'heure, la compétence est la seule chose qui est commune dans une entreprise. Qu'elle soit à ses prémices, à sa maîtrise ou à son expertise, tout le monde a de la compétence. Et souvent, les compétences sont reconnues par toutes les générations. On en a fini avec la transmission d'un senior vers un jeune. On parle de plus en plus de reverse mentoring, avec justement où c'est le jeune qui va transmettre au senior. Tous les deux ont vraiment de la compétence. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant avec la transmission des compétences, c'est que la compétence, elle donne envie aux jeunes d'apprendre, et elle donne envie aux seniors de transmettre. Donc quoi qu'il se passe, c'est de la valorisation. De toute façon, désormais, comparé à ce qu'on a pu connaître peut-être dans les générations précédentes, la légitimité n'est plus de maîtriser un savoir. La légitimité aujourd'hui est la capacité à le partager.
Et ça, c'est vraiment, vraiment important. C'est la capacité à saisir le savoir au moment opportun et d'être capable de le partager. Donc, en fait, la transmission des compétences, c'est un peu le flux, le lien de la coopération intergénérationnelle. Ça permet aux entreprises de stopper la perdition des savoirs qui aura lieu avec tous les départs en retraite des baby-boomers. En 2020, il y aura 700 000 personnes qui vont quitter leur emploi en France. 700 000 personnes qui ne vont pas être remplacées, vous imaginez bien, mais 700 000 personnes qui vont partir avec de l'expérience et une richesse organisationnelle. Et aussi, pour combler peut-être les turnovers de plus en plus importants qu'on connaît avec les nouvelles générations. En tout cas, tout ça rentre dans ce qu'on appelle désormais la société cognitive. Alors, c'est la Commission européenne, en 1995, qui a écrit un livret blanc sur l'éducation et qui disait que dans les années 2015, nous allons être dans une société de la connaissance. Et en effet, ça veut dire qu'on est dans une course effrénée de la connaissance et dans une course toujours besoin de renouveler ses compétences, que ce soit en changeant de job, que ce soit en suivant un tutoriel, un MOOC ou en lisant un livre. On est toujours, en fait, dans ce besoin d'en savoir plus. Pas forcément de le maîtriser, mais d'en savoir un maximum et au niveau plus large. Donc, en fait, cette société de connaissances me fait penser que depuis des années, on parle d'entreprise apprenante. Je pense que c'est un terme que vous connaissez. En tout cas, je me rappelle qu'on en avait parlé quand j'étais étudiante à l'IAE. Moi, j'ai envie de dire que maintenant, c'est un petit peu dépassé et j'aurais plutôt envie de vous parler d'entreprise partageante. Une entreprise partageante, je la définirais comme une entreprise qui, au-delà de la capitalisation du savoir, fait de la diffusion et de la création du savoir, la co-création du savoir, son maître mot. Ça veut dire qu'on partage et qu'on co-crée ensemble. Ce qui revient à dire, du coup, c'est la fin du « do it yourself », tant porté par les générations Y, pour faire du « do it together », co-créer, miser sur le collectif, travailler ensemble. Du coup. Ah. Alors, je ne vais pas vous effrayer. Ça, c'était les trois leviers d'action, quelle que soit les générations, vous l'avez bien compris. Ce n'est pas lié à une date de naissance. Mais il faut quand même un petit peu s'y préparer. Ils arrivent. Alors, je ne vous en parlais qu'un tout petit peu. Si on vient de comprendre comment ça marchait les autres, je ne vais pas vous accabler avec eux en plus. Alors, la génération Z, les digital natives. Alors, ce terme avait été employé au départ pour définir les Y. Mais on se rend compte qu'en fait, ceux qui sont vraiment nés, c'est ceux qui sont nés après 1995. Donc, c'est la génération Z. Et on parle plutôt de la génération Y comme des digital migrants, du coup, qui ont connu et qui ont évolué. En tout cas, les digital natives, si je reprends rapidement le contexte dans lequel ils ont évolué, bah, c'est celui actuel, quoi. Hein ? Ouh, c'est celui qu'on connaît depuis 1995. Donc, un contexte économique assez difficile, et social, au niveau précarité d'emploi ou certaines choses comme ça, qui n'est pas très, très gay. Donc, forcément, vous avez compris que ça forge un rapport au monde et à l'entreprise bien différent. On les appelle aussi les 4C. 4C pour connecter, communiquer, créer, collaborer. On dit aussi que c'est les maîtres des 5 écrans. D'accord ? Puisqu'ils savent autant aller sur les 5 écrans. Alors, ce dont je veux vous dire, juste pour conclure sur les Z, je vous rassure, ils ne vont pas tout transformer. Ils font que renforcer, appuyer, insister sur les changements en fait, apportés par les Grecs. Pourquoi ? Vous l'avez bien compris, ce n'est pas leur date de naissance, c'est parce qu'ils arrivent vraiment, ils sont nés avec le numérique. Donc, ils poussent encore plus aux changements apportés par les autres générations, et d'autant plus par les aspirations, j'insiste, qu'avaient déjà les X, mais qu'ils étaient revendiqués beaucoup moins fort. Alors, du coup, pour conclure, vraiment, les trois idées principales, je serais super contente que vous ayez retenu. Alors, du coup, la première, j'espère que vous l'avez compris, les Y sont les porte-paroles. Ils sont les porte-paroles des aspirations en fait, de toutes les générations, hein, sauf qu'ils revendiquent et l'expriment. Puisque je ne connais personne autour de moi qui a eu comme souhait de se dire « Moi, j'aimerais bien avoir un métier où je m'ennuie et ne rien apprendre tous les jours. » Non, on a tous envie de s'épanouir au boulot, on a tous envie de trouver du sens. Simplement, les Grecs, eh ben, ils le disent haut et fort. Et aussi, c'est les porte-parole d'un monde en mutation, je vous l'ai dit avec le numérique. Ok ? Alors, les Y sont les porte-parole, en fait, les Z, du coup, pour moi, ce sont les artisans de tout ce changement. Deuxième idée bien importante, et j'espère que vous l'avez compris, au-delà de la génération, c'est plutôt les caractéristiques personnelles, j'en ai parlé, mais c'est surtout aussi l'âge qui façonne le rapport à l'entreprise. Okay ? C'est-à-dire l'âge qu'on a à un moment donné. Quand on est à 18 ans, qu'on soit baby-boomers X, Y ou Z, à 18 ans, on a envie de découvrir la vie. À 22 ans, pour le premier job, on a envie de bien gagner sa vie. D'accord ? Quelle que soit la génération qu'on est. À 60 ans, on a pas mal d'expérience, on est un peu plus réaliste. Et ça sera pareil pour les Y. Donc c'est plutôt le fait d'être un ado, d'être un enfant, d'être un trentenaire, d'être un parent ou d'être un ancien
dans ce monde actuel qui forge du coup un état d'esprit, un rapport au monde d'entreprise. Et ce n'est pas lié à une génération précisément. Et puis le dernier point, vous l'avez compris, mon parti pris, je pense que les conflits entre générations, moi j'ai envie de dire qu'ils n'existent pas, hein. Je pense qu'on les a un petit peu inventés, qu'ils ont un peu prétexte et bon dos, pour que l'entreprise ou les organisations se justifient un petit peu de ce décalage et du fait qu'elles n'ont pas évolué aussi vite que la société. Alors, du coup, pour rebondir sur le thème du forum, hein, de ce forum qui est organisé, quelle est la place et le rôle pour l'entreprise ? Je pense que c'est une grande question qu'on doit se poser. Est-ce que l'entreprise doit avoir le même rôle et la même place qu'avant ? Je vous pose la question, notamment des chiffres assez éloquents. En 2020, les générations Y et Z représenteront 75% des collaborateurs dans les organisations. En 2025, 45% des métiers, à l'heure actuelle, disparaîtront. Ils n'existeront plus. Et 65% des enfants qui sont en primaire à l'heure actuelle, feront un métier qui n'existe pas. 65%. Donc la place de l'entreprise sur des métiers qui n'existent pas, c'est intéressant. Et puis aux États-Unis, depuis l'année dernière, je pense, le nombre de freelances a dépassé le nombre de CDI. Donc en effet, quelle place dans l'entreprise pour ce monde de demain ? Et en tout cas, j'espère que quelle place pour la coopération intergénérationnelle ? J'y ai répondu avec vous cet après-midi. Merci. Oui, je pense que vous allez être submergé de réflexions et de questions, vraisemblablement. Donc on va donner la parole à la salle. Allez. Merci. Je souhaitais juste apporter un point d'information. J'ai vu quelque chose passer sur vos slides. Il y a quelque chose qui m'échappe au niveau du terrorisme. Le terrorisme ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle juste, en 1968 notamment, je suis allée m'informer parce que je ne me souvenais plus tout à fait, a émergé par exemple le groupe de la bande Abader, hein, qui a fait des ravages. Le terrorisme, je préférerais que nous ne focalisions pas là-dessus parce que c'est un épiphénomène peut-être en ce moment, mais phénomène qui existe et qui a toujours existé, sous différentes formes peut-être. Pas avec le même impact. Tout à fait. Et même le terrorisme, moi je me rappelle de l'époque de l'IRA en Irlande, etc. Donc en effet, ce n'est pas quelque chose de nouveau, malheureusement. Par contre, c'est à cette époque-là et par cette génération-là qu'il a été vécu. C'est-à-dire qu'il a été ressenti violemment, l'effondrement des tours du World Trade Center. Elles ont été médiatisées, elles ont été vues. En fait, c'est la première fois où toutes les personnes se retrouvaient devant leur télé et qui ont vécu un événement mondial et qui ont été impactées. Donc c'est pour ça que moi je l'ai mis socialement. D'ailleurs, est-ce que c'est social ? Mais ça veut dire que c'est la première fois où ça en devenait un impact mondial et qui touchait du coup toutes les générations. Et c'est la jeunesse de la génération Y qui l'a pris de plein fouet. Ouais, c'est quand je vous parlais de vivre des événements ensemble, qui du coup s'interrogent sur l'avenir, et ça a amené pas mal d'interrogations par la suite. Mais en effet, vous avez raison de préciser que malheureusement, même à l'époque de Franco, etc., en Espagne, c'était déjà existant. Ah oui, il y a des mains qui se lèvent. Bonjour. Suite à votre exposé très intéressant, je suis curieuse de connaître la génération qui va suivre celle de Z, alors. Alors, celle de Z, donc je vous donne un petit descriptif. Ce qu'il faut savoir, c'est que par exemple, celle de Z a décidé de. La Y a décidé de créer ce que l'entreprise ne pouvait pas lui donner. La Z va apparemment aller plus loin. Alors je vous dis qu'apparemment, parce qu'elle n'est pas encore en entreprise, ok ? Donc c'est des suppositions par rapport à des études qui ont été menées, ou notamment des études en termes de consommation aussi. C'est-à-dire qu'au lieu de créer ce que l'entreprise ne peut pas donner, elle va complètement créer sa vie. Soi-disant, les Z revendiquent que pour 50% d'entre eux, ils vont être leur propre patron. Donc ça, c'est une dimension assez importante. Et c'est aussi que quand les Y et les X, n'oublions pas, les premiers, à rechercher l'équilibre vie perso-vie pro, eux, les Z vont aller plus loin. On va dire, on arrête cette frontière, on la bat complètement. Et ils vont avoir une tendance qu'on va appeler le micro-lésure, qui est en fait se concilier la vie professionnelle, le lieu de travail et les activités perso au même moment.
voyez, c'est que du coup, tout sera flou et tout sera mélangé. Donc, c'est encore, encore plus fort que ce qu'a connu la génération Y. Mais comme je vous dis, ça s'est vraiment porté par numérique. Tout est fait, tout est accessible, tout est possible de faire en même temps. On peut faire nos courses, après bosser, après aller faire du sport et revenir à une réunion. Et c'est ça, du coup, qui vont porter davantage. Bonjour, merci pour votre présentation. Donc moi, je suis un Y. Et au début, voilà, mes parents, ils étaient... tu bosseras dans un grand groupe en tant qu'ingénieur, etc. Mais bon, ce ne sera pas le cas. Et tu y feras toute ta carrière, bien sûr. Tout à fait. Donc du coup, ma question, c'est par rapport à tous les grands groupes actuels, la transition qui se passe, en fait, comment est-ce que, justement, ça va... Enfin, je ne sais pas, moi, j'ai vraiment du mal à voir comment des grands groupes vont, justement, bien traiter les Y comme vous les avez décrits, parce qu'au jour d'aujourd'hui... avec le monopole économique, que ce soit dans le domaine de la presse ou dans d'autres domaines. Enfin, voilà, quoi, je trouve que c'est saturé. Je trouve qu'il y a une notion aussi dans le rapport avec le capitalisme et le socialisme dans la génération Y auquel on n'y croit plus, on trouve que c'est saturé, etc. Alors, juste pour rebondir, c'est pas comment les organisations vont traiter les Y, j'ai envie de dire, vont traiter leurs collaborateurs, justement. Quels qu'ils soient, pour rebondir sur ce que j'ai dit. Mais justement, en fait, il faut que les entreprises s'adaptent. Alors, il y en a plein qui se sont adaptés, mais il faut qu'ils se rendent compte que ce n'est pas uniquement les Y qui demandent ces changements, c'est qu'en fait, ça devient vraiment nécessaire. Je connais par exemple un grand groupe bancaire, qui interdit l'accès à ses collaborateurs, interdit l'accès à Internet à ses collaborateurs sur le lieu de travail. Et clairement, ce n'est pas parce que je suis une Y que ça me choque. Ça me choque parce qu'à l'heure actuelle, pour bien faire son métier, et même, je sais pas, pour réserver des billets de TGV, pour gérer sa facture de téléphone, on va sur Internet. Donc, si vous voulez, ça, c'est pour moi typiquement une entreprise qui ne s'est pas adaptée à l'évolution de la société et du coup, qui fait que ça peut créer des problèmes, soi-disant des Y qui ne trouvent pas comment s'y retrouver comme vous, alors qu'en fait, c'est simplement un problème d'adaptation au monde qui évolue plus qu'à des Y purs. Je pense que tout collaborateur, quel que soit leur âge, vont sur Internet. Pour faire des choses, même pour leur métier, pour chercher des infos. L'interdire à l'heure actuelle, c'est... On n'a qu'à remettre des Minitel, hein, et puis ça sera aussi bien. Oui, sur un peu à votre question et puis votre observation tout à l'heure sur le rapport, les nouveaux rapports à l'entreprise, je vous renvoie à ce que... Bon, c'est M. Frérot qui l'a dit, mais à ce qu'il a dit en ouverture lundi, hein, ou en clair, j'essaie de résumer... le temps est venu pour l'entreprise de passer du rapport de l'entreprise et son marché, de l'entreprise à la société, et de prôner, une gouvernance d'entreprise beaucoup plus élargie qu'elle ne l'est aujourd'hui, qui se réduit aux simples financeurs, financiers, actionnaires, qui se réduit bien sûr par obligation aux salariés. Et il a avancé un certain nombre d'idées. Pourquoi pas demain, dans les conseils d'administration, eh bien, les nouvelles générations. Je pense qu'il a dit dans ou hors entreprise. Il a peut-être dit autre chose aussi. Aussi, les représentants de l'environnement proche de l'entreprise. Un territoire ou autre. Et peut-être des précisions davantage. Et les clients. Oui, bien sûr. Les clients. Les parties prenantes. Il parlait des parties prenantes. Pour vous donner un petit peu ça vient de Frérot, dont président d'un grand groupe, très impliqué dans les services publics, les services domestiques, bien entendu, mais bon, c'est quand même une parole, si vous voulez, qui pèse et qui est répétée, quoi, hein, par rapport un petit peu à ça. Moi, j'avais une autre question. Vous êtes déjà intervenu en entreprise sur, en gros, une mission à résoudre mon problème de génération. Comment ça se passe? Est-ce que les grands principes, les analyses que vous avez portées tout à l'heure, et puis les solutions qui apparaissent un petit peu tarte à la crème. Non, c'est pas le but. Non. Comment ça se passe, quoi? Alors, oui, en fait, moi, j'ai accompagné une centaine d'entreprises en transmission des compétences. On m'appelle, par exemple, pour dire « Marielle, est-ce que vous pourriez venir faire une formation sur comment manager la génération Y ?» Donc là, forcément, c'est toujours un peu plus délicat, parce que je dis oui. Mais en fait, je vais partir sur les mêmes principes. Ce n'est pas manager un Y. C'est du coup manager le collectif, travailler sur les aspirations communes et surtout manager pour que l'entreprise évolue avec son monde.
Mais c'est sûr que le produit d'appel manager de la génération Y, on aime beaucoup appeler pour ça, ou pour que les baby-boomers et les Y arrivent à travailler ensemble, comme si ce n'était pas le cas. Et les dirigeants partagent cette approche Ça dépend lesquels, parce que du coup, forcément, ils me demandent d'intervenir et puis de gérer sur le terrain les Y, oh, ces extraterrestres, et moi je leur dis que c'est plutôt en haut, avec eux, qu'il faut plutôt travailler. C'est ce que je voulais vous entendre dire. Allez. Complètement, là quand on met des dates, parce que sociologiquement, historiquement, elles existent ces dates. D'ailleurs, c'est la génération Y qui a fait travailler sur les autres générations. Avant que la génération Y n'arrive, on ne parlait même pas de génération X, ou baby boomers en entreprise. C'est eux en fait qui ont fait travailler sur cette réflexion. Mais en effet, on peut, et on a plein, on peut être baby boomer, c'est en fait être un Y dans son rapport au travail, etc. C'est pour ça que je précise, c'est vraiment pas une génération. C'est vraiment une caractéristique personnelle, c'est aussi un environnement social, familial, professionnel, et c'est surtout ce qu'on a vécu comme événement qui du coup forge son rapport à l'entreprise. J'insiste sur un point, une même personne peut successivement être X, Y, Z et après, parce que ça ne s'arrêtera pas à Z, en fonction des défis, des séquences de sa vie. Alors j'ai envie de dire oui dans un état d'esprit, mais par contre une génération, si je vous comprends bien, génération baby boomers X, Y, c'est une date de naissance. C'est là où je dis qu'on ne s'arrête pas à une date de naissance. Mais quand on parle de génération, c'est lié à une date de naissance. J'ai répondu à votre... Ouais, c'est pas convaincu. Pour moi, c'est l'état d'esprit. Eh ben, je suis carrément d'accord avec vous. C'est ce que j'ai essayé de faire passer comme message. Et c'est pas la date de naissance qui définit le collaborateur. En effet. Bien. Encore, allez, une dernière. Allez-y sans micro. C'est pas vous le problème, c'est le monde qui change et qu'on ne s'adapte pas à supporter. Est-ce que voilà. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut répondre? Ce qui n'était pas le cas des jeunes de mon époque où on est face à ce que vous avez raconté tout à l'heure, hein, où on se laissait un petit peu embarquer par l'entreprise. Les jeunes d'aujourd'hui, donc pas une question de génération, mais une question de jeunes d'aujourd'hui, ils prennent le pouvoir, ils font les choses, ils n'attendent pas qu'on leur apporte, ils le font eux-mêmes. Et donc ça change beaucoup de choses, et c'est pour ça que le jeune d'aujourd'hui est bien plus une solution que le jeune d'hier, il me semble, dans la transformation de l'entreprise qui, de toute manière, est inévitable. Mais tout à fait. D'ailleurs, Michel Serres, notre philosophe académicien français, précise que la génération Y est une chance pour l'entreprise. Alors, il faut la saisir, quoi. Et c'est pas le fait d'être génération Y, après je m'arrête, promis, c'est le fait, comme vous dites, monsieur, d'être jeune. Voilà. Donc, X ont été jeunes, les baby boomers ont été jeunes. Donc, quand on est jeune, on a aussi plus envie de prendre le pouvoir. Un grand merci et encore bravo. Oui.